Avec vous, Franck Sauzet est à mes côtés pour suivre ce match international. Ah, l'Espagne face aux Pays-Bas, ça nous rappelle évidemment l'affiche de la dernière finale de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En 2010, deux belles équipes qui ont peut-être un petit contentieux à régler. On verra s'il y a autant d'engagement qu'à Johannesburg. L'Espagne qui est la référence actuelle dans le monde du foot. Mais c'est pas non plus une équipe qui marque beaucoup de buts. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle s'est souvent imposée par la plus petite des marges. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a marqué, c'est difficile de lui prendre le ballon pour essayer de poser son jeu. Et le jeu espagnol est avant tout basé sur une grande discipline tactique. Le stade Santiago Bernabéu, que les anciens appellent parfois Chamartín. Oui, Chamartín, c'est le nom originel, le nom du quartier. On a rajouté ensuite le nom de Santiago Bernabéu, qui a été un grand président du Real Madrid. Et c'est monsieur Guilherme Santoso qui sera l'arbitre aujourd'hui. Et puis l'envoi donné par les Pays-Bas. Pedro. Wesley Schneider, Robben, Amat. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Oh oui, bien vu la passe. La frappe. Joli pour le gardien. Wesley Schneider. Wesley Schneider est un joueur qui sait à peu près tout faire, Hervé. Bon dribbleur, redoutable sur coup de pied arrêté. Sa frappe de balle est phénoménale. Arjen Robben. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Et déjà une faute. Perdre le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. De Vrij. Ça peut être dangereux. Oh, le beau tir. Oh, la balle, attention, ça continue. Oh, une frappe très sèche. Très sèche que le gardien parvient à arrêter. Avec Guzman. Attention à cette perte de balle au milieu. Sergio Busquets. L'Espagne qui progresse, balle au pied. Alors, est-ce qu'il va centrer? Et qui sera le premier sur ce ballon? Pedro. Ah, le gardien le touche hein, pourtant. Le gardien qui s'incline. Et il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il fait la différence de la tête. Et beaucoup de lucidité sur ce coup de tête, Hervé. Il a su analyser la position du gardien de but. Dané Blint. Pedro.
Xavi. Oh, que c'est bien coupé par le défenseur. De Vrij. De Guzman. Van Persie. Il est à la lutte avec Robben. Andrés Iniesta. De Jong. Pedro. Azpilicueta. Les 30 derniers mètres. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Xabi Alonso. Andrés Iniesta. Oh, le bon centre! Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Contré par Sergio Ramos et dans les bras du gardien. Dani Blind arrive à en abattre les kilomètres dans ce match. Comme d'habitude, il adore ça. Ah, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Xabi Alonso. Andrés Iniesta. Wesley Schneider. Van Persie. Ballon rendu à l'adversaire. Sergio Ramos. Jordi Alba. Xabi Alonso. Et ça profite à l'attaque. Alors l'arbitre laisse jouer. Eh oui, c'est la règle de l'avantage, Hervé. Peut-être une occasion. Wesley Schneider. Andrés Iniesta. De Guzman. Oh, superbe le but maintenant! Arbitre assistant qui signale un hors-jeu. Guzman. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Van Persie. Robben. Sergio Busquets. Oh, l'intervention, le tacle glissé. Wesley Schneider. Oh, excellente interception, bien joué. Xavi. Andrés Iniesta. Centre sur le défenseur. Le joueur qui se fait prendre sur l'aile. Van Persie. Arjen Robben. Le centre. Ouais, pas de danger pour la défense. Et le danger restera toujours présent. L'Espagne a concédé un corner. De Vrij. Allez, on place sur le gardien. Bien placé. Et voilà, déjà 45 minutes dans ce match. Un petit but simplement 1-0.
Et la seconde période va pouvoir commencer avec cette équipe espagnole en ballotage favorable donc. Xavi. Van Persie. Xavi Alonso. Xavi. Ouais, bien coupé par le défenseur. Van Persie. Oh, le doute qui plane quant à la décision de Monsieur Santoso maintenant. Ah, ils n'ont pas traîné pour le jouer le coup franc. Ça peut être dangereux ce centre. Manque d'application sur ce centre. Et la défense peut éloigner le danger. Andrés Iniesta. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Et Robben en position de hors-jeu. Sergio Busquets. Oh, il a perdu le ballon. Attention, il y a le feu. Et l'attaque qui avorte. Le drapeau s'est levé, il a déclenché ce qu'on appelle le bal un petit peu tôt. Andrés Iniesta. Alors on va regarder ce que dit l'arbitre. Il connaît bien une faute sur ce tacle glissé. Et le joueur s'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. Tindy, Daley Blind, Wesley Sneijder. Il ne faut pas trop laisser d'espace aux Pays-Bas. Dalmat. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. Et c'est pour personne. Et ça file en corner. Ouais, il le passe. Ah, le centre. Ouais, le gardien va pouvoir dégager. De Jong. Van Persie. Wesley Sneijder. Jordi Busquets. Il lui remet. Un ballon perdu. Robben. Wesley Sneijder. Les Néerlandais qui sont en train de pousser sur ce ballon. Mais c'est contré par le défenseur, dommage. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. Xabi Alonso. Et il tacle, encore et toujours. Oui, bien joué le contre, ce n'est pas fini. Wesley Sneijder. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Oh, que ça circule bien, c'est beau. Oh, le beau tir. Il obtient finalement corner.
Tiens, tout est dit. Hein. Regardez les chiffres. Tout est dit. Ouais, un audace ne suffit pas. Il faut savoir faire preuve de réalisme ou de talent devant les buts. Oui, les buts. Hein. Griezmann. Sergio Busquets. Jordi Alba. Ils font tourner. Et aller voir protéger son ballon. Oh qu'il est important ce ballon. Oh qu'il est important. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs. Il pousse dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Le joueur néerlandais qui s'approche de la zone dangereuse. Hein. Ouais, ça sort. Ah non, il ne s'est pas suffisamment appliqué. Et c'était inutile, il n'y avait personne. La frappe. Oh, le gardien qui repousse, attention. Xavi. Andrés Iniesta. Attention, le but peut-être dans un instant. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Et c'est dans les bras du gardien. Sergio Busquets. Pedro. Oui, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a peut-être la place pour égaliser. Pedro. Jordi Alba. Oh, attention, ils ont récupéré le ballon. Il va y avoir danger. De Guzman. Damat. Robben. Bonne récupération. Ouais, ce match qui se termine à l'instant. Un match amical bien négocié pour eux au final. Ouais, c'est une belle victoire. Alors, c'est sûr que ce match était sans véritable enjeu, mais les joueurs sont fait plaisir, il me semble. C'était un plaisir d'être avec vous pour vous faire vivre cette rencontre. Un grand merci à Franck et à toute l'équipe. Et à très bientôt. Salut. Thank you.